Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez dû le lire dans le titre. C'est un haul. Puisque j'ai acheté quelques vêtements. Je rigole parce que quand je vois tout le sac qu'il y a et tout le tas qu'il y a ici, voilà pourquoi je rigole. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser, je vais avoir beaucoup de questions. Comme à chaque vidéo haul, alors j'ai les pouces rouges, parce que j'ai des personnes qui ragent, je sais pas, c'est si difficile que ça d'être content pour les autres, je sais pas, ça doit faire chier les gens de voir d'autres personnes acheter, je sais pas, dites-moi pourquoi vous mettez les pouces rouges, parce que j'essaie de comprendre, mais bref, donc... je tiens à signaler que les commentaires du genre mais comment tu fais pour acheter, bah écoutez, je travaille. Voilà, il n'y a pas de secret, hein. Tu faut travailler, tu fais des heures sup, t'es payé en plus, et puis voilà, c'est tout. Voilà. Rien d'autre à dire. Donc, pour ce qu'il en est des achats, il y a un peu de tout, il y a du Babou, il y a du Grain de Malice, du H&M, du Zara, du New Yorker et du Kiko. Bien entendu. Et voilà, on va commencer maintenant. Si elle est trop longue, je partagerai en deux, mais bon, je pense que je vais me grouiller et ça ira. J'espère que je suis pas trop orange. J'ai mis un peu de couleur et tout parce que je me suis dit, vu le temps qu'il fait, voilà, ça pue du cul aujourd'hui. Hein. J'ai l'impression qu'on est en novembre, mais bon. Alors, je commence par Zara. Alors, Zara, j'y suis allée en deux fois. Une fois, j'y suis allée avec donc Bali, donc Aurélie et Sabrina. D'ailleurs, je vous fais des bisous, les filles. Puisque voilà, Bali était descendue sur Lyon et on est allé, on a fait un peu les magasins. Donc, première fois que j'y suis allée, j'ai pris ce sac. Je l'avais mis en photo sur Instagram et je ne savais pas lequel prendre, si je prenais le bleu ou le beige. Et ma foi, j'ai pris le bleu puisque voilà, je me suis dit un beige, j'en ai déjà. Bleu, j'en ai pas et il est juste magnifique. Donc, je l'ai payé 25€ le... 25,95€ le sac, voilà, il est vraiment, il est immense, hein. Donc voilà, vous avez les petites anses et la grande pour mettre en bandoulière, donc voilà, il est vraiment super beau, et il est bleu pétard, bien, pas discret, mais bon, c'est pas grave, j'adore. Ensuite, la deuxième fois, donc j'y suis retournée, je me suis pris un haut, donc c'est un haut tout simple, noir, avec le col en simili-cuir, et le dos, il y a une zipette, voilà, en or, il est vraiment tout simple, mais il est très très beau, il est en un peu en lycra, je dirais, mais voilà, c'est pas un lycra genre qui remonte, non, il est super bien, je l'ai pris en taille L, et ma foi, ça va, ça se porte un peu loose, hein, ça se porte pas près du corps, et ma foi, ça me va très très bien. Je l'ai payé 15€, non, 16,95€. Et ensuite, avec celui-ci, Sabrina, je te fais des bisous, je suis allée me chercher un sac. parce que, en fait, Sabrina l'avait repéré et quand je l'ai vu, j'ai dit, ah ouais, il est beau quand même. Je viens de voir qu'il y avait une tache, mais c'est pas. Donc, il est tout noir, simple, il est rectangulaire. Voilà, il y a un peu des motifs dessus. Et en fait, le truc qui m'a fait juste, c'est ça. Donc là, anse, il y a des petits clous, des petites perles, voilà ce que vous voulez. Il est vraiment magnifique. Il est immense. Alors, vous avez deux matières. Vous avez celui-ci ici et vous avez un comme ça. Et il est vraiment trop, trop beau. Alors là, j'ai du mal à porter parce qu'il est plein et je le mets en ce moment. Mais voilà, trop, trop magnifique. J'adore. Et donc, celui-ci m'a coûté 40€. Voilà. Alors, ensuite, Zara, c'est fait. Je vais vous faire Babou et je passerai au sac après. Alors, Babou, j'y suis allée ce matin avec ma maman et Anne-Sophie. Donc, je me suis pris deux paires de chaussures. Alors, celles-ci qui sont compensées. Donc, pas trop de talons. Il y a une petite plateforme, c'est parfait. Et le devant est comme ceci. Donc tout tressé. Il est vraiment super beau. Voilà. Alors, quand je les ai vus sur Pendu, j'ai dit, ah non, c'est pas très beau. Et je les ai essayés. Et oh mon dieu, c'est trop beau, ça fait de super beaux pieds, tout petits, tout fins, c'est vraiment super beau, donc voilà. Et je les ai eus au prix de 9€, donc autant vous dire que j'ai pas hésité. Donc voilà, ça m'en fera pour cet été, quand il voudra bien arriver. Ensuite, alors celui-ci, je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais moi j'ai adoré. Donc pareil,
talons compensés. Vous avez la fermeture ici et en fait ça s'attache autour de la cheville. Donc voilà, comme ça. Et sur le devant, vous avez ceci. Donc c'est des, y a des perles un peu dans les tons de vert, bleu, orange. Et ça fait un super beau pied également. Donc voilà, vraiment super beau, j'adore. Et je les ai payés 9€ également. Donc je vous dis, quand j'ai vu le prix, j'ai pas hésité. Hein. Ensuite, je me suis fait le plein. Mais quand je vous dis le plein, c'est vraiment le plein de bougies. Alors, j'ai acheté celle-ci qui est à la glace vanille. Qui sent trop bon. Que j'ai payé 6,99€. Donc voilà, c'est un pot de 510 grammes. J'en ai pour un moment. Ensuite, j'en ai pris deux comme ça avec trois mèches. Donc celui-ci, c'est... Je vais vous le dire en français... Couverture de coton doux. Et celui-ci, c'est croquant pomme cannelle. Voilà, le rouge. Celui-ci, il sent vraiment la canne. Il sent vraiment super bon, celui-ci. Et donc, l'autre, c'est quoi le nom, je vous le dis? C'est tourbillon de vanille crémeuse. Voilà. Ils sont énormes. Et franchement, pour le prix que ça coûte, moi, ça sent dans ma chambre. Je peux vous dire, là, j'en ai une qui brûle ici. Et je peux vous dire que ça sent super bon. Donc, voilà, j'adore vraiment. Celui-ci, ça sent le propre. Ça sent... J'adore. J'adore, j'adore. Moi, je les prends qu'à babou. Je veux pas mettre... franchement, ça me fait mal de mettre 20€ dans une bougie en sachant que moi, je l'allume presque toute la journée. Donc, voilà. Et ensuite, j'en ai pris deux vertes qui sont branches de pin. Donc, voilà, ça sent trop, trop bon. J'adore. Malheureusement, elles y sont pas en grande, celles-là. C'est pour ça que j'ai pris les petites. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, pour finir à babou, je me suis pris des petits bâtonnets d'encens comme ça. Voilà, j'aime bien quand ça sent bon dans ma chambre. Donc, j'ai pris vanille et patchouli. Voilà, pour 99 centimes, ça me va très bien. Ensuite, alors, grain de malice. Donc, grain de malice, également, j'y suis allée en deux fois. J'y suis allée hier et j'y suis allée avec Aurélie et Sabrina. Donc, non, avec juste Aurélie. Je me suis pris le pile, le pull torsade, donc j'en ai plusieurs, hein. J'en ai un rose, j'en ai un violet, j'en ai un marron, et voilà, il me fallait celui-là absolument pour cet été, juste la couleur est POUM, tu vois, et j'adore. Donc voilà, je l'ai eu à 12€, il est en promo, ils sont toujours disponibles sur le site internet, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est assez compliqué à trouver puisqu'il faut vraiment chercher dans pull, manche longue, et voilà. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos, ça sera beaucoup plus simple pour vous. J'ai également pris une blouse, je vous dis même pas les sacs, c'est affreux, il y en a partout. Je me suis pris également une blouse blanche, puisque j'en avais une déjà, mais elle était trois fois trop grande. Donc j'en ai repris une, qui est très très simple, hein, longue. Vous avez une petite ficelle ici à enlever ou à mettre, c'est comme vous voulez. Et vous avez des petits boutons carrés argentés sur le devant. Donc voilà, très très simple. J'ai eu... 14€ je crois, parce que j'avais eu j'avais 20% avec ma carte fidélité, donc voilà, très très bien. Ensuite, on va aller à New Yorker. C'est bien parce que je découvre des trucs en fait. Alors, New Yorker, j'ai principalement pris dans le rayon petit prix, puisque je l'ai vu en fond, au fond du rayon avec Aurélie. Et ma foi, j'ai craqué sur plusieurs trucs au fond du rayon et c'était tout à moins 50% presque, donc voilà, j'ai pas hésité. Alors j'ai pris ce pull qui est un peu beige saumon, je dirais. Alors c'est pas un pull très très chaud, donc pour cet été c'est parfait, en même temps avec ce temps on met un pull. Mais voilà, il est vraiment magnifique. Alors au lieu de 29€, je l'ai payé 9€, donc c'est plus de 50%, c'est parfait. Donc voilà, il est vraiment super beau, il se porte large, il est magnifique, il est parfait. Voilà, donc j'en avais un blanc et là quand j'ai vu le saumon un peu, j'ai pas hésité. Ensuite, je me suis pris deux hauts qui sont identiques, il y a juste la couleur qui change. Donc ce sont des hauts très très simples, col rond. Et en fait, sur le dos, vous avez le décolleté qui est comme ceci en fait. Hop, avec les cordes qui se croisent. Donc je l'ai pris en beige, je l'ai eu à 6€ celui-là. Je l'ai pris en beige et bien entendu, Aurélie elle me disait mais arrête, tu vas toujours vers la même couleur, et c'est vrai. Et je l'ai pris également en rose bien pour cet été. Donc voilà, hop, 6€ également. Ensuite,
Alors ensuite, non, ça c'est une commande que j'ai fait sur internet, je vous la présente en même temps. Donc c'est une robe très 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 longue de chez ASOS. Donc elle est très très longue, elle est noire, elle est très très longue, les bretelles sont fines en fait, bah fines, pas spaghetti quoi, mais voilà comme ça. Le décolleté est un peu cache-cœur et elle est super longue, elle est vraiment magnifique. Je vous mettrai une photo où je la porte et moi j'adore, avec un petit blouson en jean, c'est vraiment parfait. Je l'ai eu au prix de 22€ je crois, donc j'ai pas hésité non plus, 22€ une robe, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà. Ensuite, on va aller à H&M. On va aller à H&M. Alors, j'ai des sacs, je suis désolée. Pareil, H&M, j'y suis allée en deux fois. J'y suis allée une fois avec Aurélie et une fois hier. Alors, hier, je me suis pris également une petite chemise. Alors, quand je l'ai vue, j'ai flashé dessus et je la trouve vraiment trop trop belle. Donc, c'est une chemise un peu soie, mais pas qui brille, vous voyez. Un peu cette matière, voilà, très très loose. Plus longue derrière que devant. Les petits boutons sont en nacre. Voilà, comme ceci. Il y a deux poches sur la poitrine, elle est superbe. Alors, vous allez me demander les tailles, c'est une 44. C'est dans la collection... actuelle en fait. Je sais pas si c'est pas une basique d'ailleurs, parce que 20€ une chemise, je pense que c'est une basique. Et voilà, 44, ça me va très très bien. Je peux la fermer niveau poitrine, donc voilà, ça me va très très bien. Ensuite, je me suis pris ce petit débardeur donc pour traîner à la maison, ou voilà, pour sortir à la plage. Ou... Il est beige et il y a des petits points fluo dessus, genre jaune fluo, orange fluo. Au départ, il était à 9€ et en fait, les débardeurs comme ça étaient bradés à 4,95€ pour la fête des mères. Donc voilà, j'ai pas hésité. Il y a une petite fermeture éclair derrière. Magnifique. Ensuite, donc avec Aurélie et Sabrina, on s'était pris des débardeurs très très loose. Donc celui-ci, qui est blanc, c'est les débardeurs genre basiques à 5€, donc voilà, ils sont blancs, ils sont, il est blanc celui-ci, ils sont très très loose, très très grands, mais voilà, moi j'adore mettre que ça sur un legging ou un pantalon, un pantacourt, pour l'été c'est parfait, l'air elle passe en dessous et voilà, c'est vraiment parfait. Donc voilà, j'en ai pris un blanc, j'en ai pris un orange fluo, bien entendu, et un rouge coquelicot bien flash, donc voilà, 5€ le débardeur. Avec les filles, on avait flashé sur des débardeurs bimatières, lin et un peu transparent comme ça. Mais le débardeur était à 15€, donc franchement c'est abusé, il y a des prix à H&M, ils abusent sur les prix. Là quand je vois que celui-là est à 5€, vous en avez 3 pour le prix d'un avec du lin, ok c'est du lin mais il faut pas exagérer quand même parce que bon... Enfin voilà, donc moi j'avais repéré celui en lin et quand j'ai vu cela, je me suis dit attends c'est kiff kiff bourricot, donc prends cela. Et ensuite, je me suis pris une écharpe donc qui était au prix de 9,90€ et je l'ai payée 4,95€. Donc voilà, c'est une écharpe noire. Il m'en fallait une, j'étais tout le temps en train de piquer celle de Soso. Donc voilà, une écharpe noire. Ensuite, je vois que j'ai le sac de Pinky que Bali m'a offert. Alors, quand on est allé à Pinky, j'ai flashé sur un sac. Et j'ai dit non, je le prends pas, je ferai le tour et voilà. Et les filles elles me disaient ah mais si il est grand, il est beau, nanana. De jamais aller faire les magasins avec elles parce que c'est pas des copines qui vous disent non achète pas Bérangère, non t'en as plein, non. Donc mademoiselle Aurélie Bali m'a acheté ce sac, donc il est marron camel. Il est grand, c'est un sac type bowling. Donc voilà, vous avez la grande poche, vous avez une poche ici, si je vous montre pas, vous allez pas voir. Une poche ici et deux poches sur le côté. Donc voilà, il est super grand. Sur mon bras, ça rentre, j'ai testé, ça rentre. Donc voilà, il était à 40% et ça lui est revenu à 15€. Merci Aurélie. Ensuite, les cosmétiques. Alors on va passer à Kiko et on va passer à Lush, puisqu'on est allé à Lush. Donc, je vais commencer par Lush. Donc Lush, alors Lush, on a eu un...
je vais pas dire un problème parce que tant mieux pour nous. On allait au loge de la Part-Dieu et donc en fait je passais à la caisse la première. Donc je me suis pris le masque, la grande menteuse, voilà, donc qui est un masque purifiant. C'est quoi ? Ce masque à la menthe poivrée fait tout son possible pour éradier les éruptions et vous redonner une peau en pleine forme. Alors l'odeur, déjà la couleur, il est un peu vert. Il est pas un peu, il est vert. Et l'odeur, en fait, ça sent la crème pour les pieds de chez The Body Shop. Vous savez, le pot bleu, là. Le pot bleu, mais la crème est rose, je crois. Voilà, ça sent vraiment la menthe poivrée. C'est super agréable à mettre. J'adore. Moi, j'ai pas eu de rougeur après l'avoir porté. C'est vraiment super bien. Donc voilà, j'adore. Donc voilà. J'ai pris un petit pot parce qu'il faut l'utiliser sous un mois, le 24-06. Donc voilà, j'ai pris un seul pot parce que... un petit pot, je veux dire... Parce que sinon je l'aurais jamais terminé. Et ensuite, donc je me suis pris un... Comment ça s'appelle ? Un exfoliant pour les lèvres. Donc c'est celui au bubblegum, donc c'est le rose. Alors le masque déjà, je vibre. Le masque déjà, il m'a coûté 8,45€. Et le gommage, il m'a coûté 9,45€. Donc je ne sais pas pourquoi, mais en sortant du magasin, je me suis retrouvée avec deux exfoliants dans mon sac. Bali hésitait à s'en prendre un, donc je lui ai donné quoi, clairement. Alors je sais pas ce que la vendeuse a foutu, mais j'en ai payé qu'un seul et je me suis retrouvée avec deux masques. Donc l'exfoliant est comme ceci, j'avais jamais testé et en fait c'est du sucre. Merde, je l'ai pris mais je vais pas le mettre, j'ai du rouge à lèvres. Donc c'est du sucre et en fait vous exfoliez vos lèvres. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez le manger, ça se mange. Donc voilà, ça a vraiment un goût de bubblegum, ça a le goût de chewing-gum, c'est très très bien, ça exfolie super bien les lèvres. Et voilà. Donc c'est un petit pot de 25 grammes, pardon. Et ma foi, vous en avez pour un paquet, pour un moment quand même, hein, parce que bon. Donc voilà, j'espère qu'il plaît à Bali, parce que moi je le surkiffe. Et ensuite, pour terminer... Hop, je vais pouvoir ranger tous les sacs ce soir. Pour terminer, on est allé à Kiko. Donc, au départ à Kiko, je voulais juste faire des repérages parce que quand on y est allé, c'était le vendredi de la semaine dernière. Le vendredi 17 ou le vendredi 16, je sais plus, bref. Et en fait, je voulais faire des repérages pour pouvoir commander sur internet. Parce qu'on avait les moins 20%. Donc j'ai dit, je vais repérer, je note les références et je ferai une commande, comme ça je profite des 20%. Mais j'ai réfléchi et j'en ai parlé avec les filles, elles m'ont dit oui mais fais attention parce que c'est 25€ de commande. Donc je me suis dit autant prendre un magasin, voilà, c'est kiff kiff bourrico. Donc je me suis pris en tout cet article. Alors je me suis pris ceci que je voulais depuis un bon moment. C'est le kit pour les sourcils. Alors j'ai pris le numéro 1. C'est vraiment un super kit. Donc ça se présente comme ceci, le packaging est noir, mat, donc il n'y a pas des traces de doigts, ça c'est parfait. Et donc ensuite vous avez une petite glace, vous avez, je vous le montrerai de près, vous avez trois couleurs, donc une qui est crème, qui est en fait transparente presque, ça fait un peu noir mais marron mais c'est tout. Et vous avez deux ombres pour remplir vos sourcils. Ensuite vous avez une petite pince à épiler, le pinceau et... Comment ça s'appelle ce truc? Un goupillon. J'étais en train de me dire dans ma tête, c'est ça ou pas? Je crois que c'est ça, un goupillon. Je crois. J'espère que je me trompe pas. Bref, donc voilà, c'est super bien, c'est super pratique. Vous pouvez le mettre dans votre sac à main. Je pense que je vais aller m'en chercher un deuxième pour en avoir un dans mon sac à main. Vous allez me dire c'est ridicule, mais non, au moins j'en aurai un dans mon sac à main et un à la maison, ça sera très pratique. Donc voilà, celui-ci je l'ai payé 13,90€. Ensuite, je me suis pris un Smart Lipstick. Donc Sabrina et Bali, je ne l'ai pas, j'ai regardé. Donc c'est une couleur très foncée. C'est le 914, donc je vous ferai un swatch ici. Il est magnifique. Pour vous décrire la couleur, c'est un fuchsia clairement foncé. Il est vraiment superbe. Donc le 914. Moi je prends pas les crayons qui vont avec. Je me mets pas du crayon à lèvres. Donc voilà, je préfère juste prendre le collier. Le collier, n'importe quoi. Vous m'avez compris. Ensuite, je me suis pris deux crayons qui étaient en promo. Alors je les ai eu à 2€. Normalement ça coûte 7€, je crois. Donc je me suis pris un.
rosé marron un peu. Il est très très bizarre la couleur. Ouais, on dirait c'est bizarre. Je vous ferai un swatch, je vous le verrai mieux. Et l'autre, c'est un violet très très clair avec de nombreuses paillettes. Il est vraiment magnifique. Donc voilà, pour 2 €, j'ai pas hésité, je peux vous le dire. Bali a pris les mêmes, je crois. Donc voilà. Et ensuite, pour terminer, je me suis pris des vernis. Donc, j'ai une excuse. Il y a un transparent déjà. Absolument avoir un transparent. J'en avais déjà dû commander 2, mais voilà, il m'en fallait d'autres. Et je me suis pris également des paillettes. Donc, paillettes blanches, argentées, voilà, tout simple. Et paillettes argentées avec des paillettes à couleur. Donc voilà, à 2,50 € les vernis, Bérengère, elle réfléchit pas, elle prend et voilà. Donc voilà pour ce qu'il en est de mon haul. Je vais pouvoir tout ranger puisque c'est le bordel, vous en avez un peu ici, beaucoup ici. Je vais pouvoir tout ranger enfin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les commentaires du genre « Comment tu fais pour gagner quelqu'un ?» posez pas la question, voilà, ça, vous allez travailler et puis c'est tout quoi. Voilà. Alors il y a certaines personnes qui vont dire oui. Oui, mais c'est tes parents et tu payes pas? Alors si, je paye un loyer chez mes parents, j'aide mes parents puisque je suis nourrie, logée, blanchie. Donc je donne quelque chose à mes parents. Donc les petites péteuses derrière leur ordinateur qui me disent ouais, mais tu payes rien et tout, non, c'est pas vrai. C'est pas le cas, donc voilà. Si vous n'êtes pas capable de pas critiquer en regardant une vidéo, bah, ne la regardez pas, cliquez sur la petite croix rouge et puis c'est tout. Voilà, sinon je vous fais plein de bisous, merci pour tous vos messages. Également pour vous dire que j'ai un compte Quick, donc mon pseudo c'est Bébé Pulpeuse. Donc c'est une application, je crois qu'elle marche sur Android, sur smartphone, iPhone c'est sûr. Donc c'est une application... où on peut s'écrire des messages comme des textos en fait. Voilà, vous n'avez pas mon numéro de portable bien entendu. Donc c'est comme ça, Quick. Donc là je dois avoir, voilà, j'ai énormément de messages à répondre, je vais y répondre. Et en fait voilà, vous m'envoyez des questions. Alors, il y en a qui exagèrent un peu, du genre tu suces ou des trucs comme ça. Pff. Voilà, c'est bloqué, bloqué, et puis au moins j'ai plus de nouvelles et voilà. Mais voilà, si vous avez envie de parler, que ça soit plus rapide que par message, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, voilà, Quick, Bébé Pulpeuse et vous me trouvez. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, je vais ranger tout ce bordel et je vous dis à très vite. Bisous.